salue nos internautes, vous qui nous suivez partout où vous êtes. Je vous salue. Toye lisusu na chaîne Abiso Oyo, tobe ngango JBS Prod TV. Toye na émission Abiso ya Sika, auto peut faire combo jusqu'à la gare. C'est l'une des émissions qui va nous aider comment conquérir, comment atteindre nos objectifs dans nos relations. Et ça vraiment émission moko kitoko. En tout cas, on a invité bino bo s'abonner massivement à la chaîne Abiso YouTube JBS Prod TV. Na bosani pété, ko pesa mbote na biso, mbote na nga na message Maléba depuis les États-Unis d'Amérique. Je salue tous les ingénieurs ndeka bo mona kwa cadre Oyo, ba image moko ya bien ya bambote na mino bisika bo zami. En tout cas, toye lisusu na sujet ya kitoko to développer na bino. Mais comme vous avez constaté, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée d'un monsieur très charmant. Ye moko ko se présenter, boko ye ba ye boko découvrir. Bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez? Je me porte très bien. Est-ce que tu peux nous expliquer, donne-nous ton identité, quelle est ta profession, au salaire, tu es qui, pour l'internaute, tu vas comprendre, tu es là. Ok, merci. Moi, c'est M. Ngoma Ngoma Mathieu. Je suis entrepreneur, formateur. Je suis love coach. Je suis encore prédicateur. Et puis, je suis motivateur. Ok, Bolandi, identité à papa Nabiso, vraiment. Oh, c'est l'ambiance qui règne. Surtout, on va avoir si j'ai au Italie Bolingo, Bolingo et Bomaka. Si j'ai Nabiso et Amkola Lelo, nous allons développer avec vous, s'intitule Comment connaître la femme de sa vie, vice-versa. Ndengeni nokoye ba mobala vie na yo ndengeni nokoye ba mwasi ya vie na yo sans pourtant tarder toke mbala moko na ba aspect na biso to épinglé l'homme de ta vie n'est pas celui qui te donne l'amour à la longueur de la journée pour te montrer combien il est puissant au lit. Papa, est-ce que vous comprenez Tolobi, l'homme de ta vie n'est pas celui qui te donne de l'amour à la longueur de la journée pour te montrer combien il est puissant au lit. Papa, est-ce que vous pouvez quand même expliquer à l'internaute, à l'anabiso, phrase de l'obinini. Bon, biso to ye bara, mon bala vie na ngai, l'homme de ma vie, hein, tant au vendia, on fait tout, hein, c'est lui l'homme de ma vie. Oh, permettez, hein, tout ça la carte à ma gêne. Mon bala n'a pas de coups, trois coups, cinq coups. Oh. Est-ce que Yango vraiment est assurant sur Yeba Kiyewana, mobile vie, soit moi sa vie. En tout cas, loin de là. D'abord, le sexe n'est pas l'épreuve d'amour ou les rapports sexuels, ainsi de suite. Ici, je voudrais d'abord dire comment reconnaître l'homme de votre vie. Je pense qu'à mon avis, c'est une question. Or, l'homme a été créé par Dieu. Nzambe muta créé mwasi, nzambe muta créé mobali. Tango lingo yeba mwasi na yu. Il faut tout na muta sala yi. Il faut demander à Dieu, c'est lui qui lui a créé. Donc, d'abord la première des conditions, il faut consulter Dieu. Il faut consulter Dieu, c'est lui qui va vous montrer. Parce que lui-même Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est dans Genèse 2:18, je ne m'abuse pas. Donc, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. C'est lui-même Dieu qui vous donne une aide semblable. Donc, tu n'es pas à se plaindre. Il suffit que tu consultes Dieu en premier temps. Donc, Dieu va vous montrer réellement qui est cet homme ou qui est cette fille à qui Dieu a prévu pour moi. Et il y a des signes qui peuvent vous orienter. Comment tu peux les détecter? Ok, papa, je suis au lobby, on reconnaître mon bel avis, soit moi, sa vie, par des signes. Mais papa, et là, on ça la vie au passé. Tant que vous avez une relation, ça fait 8 ans, 10 ans, 12 ans, vous avez dit, au lobby, on commet même que le bien ensemble, c'est seulement lui. Tout le baron peut comme la vie, on dit, Seigneur, c'est seulement lui. Il est caca, donc on a tingami caca, tu vois. Donc, et ça, vraiment, passé dans ma relation, dans la vie, tout ça, méca, un peu, tout ça, tâtonné. Batoiseau le bas, Nzamba sera là, mutu chouate. Nzamba sera là, sou mutu chouate. Banane à jardin dedans. Tant qu'on sait là qui Adam choua à monaïque,
et ça la gibulu yeke. Yango nzamba lobi non, ça la choix na yo. Est-ce que na kawana to lobi ni to sunga bande kona biso parce que ba lobi na rokene kana lingi na nga tu vois, na lingi na ngai to évoluer na biso aza la mobala vie na nga za la mwasa vie na nga te. Je ne suis pas là, je m'en fous parce que Nathalie Dirance au direct to sali na relation. Je m'accroche toujours na kangeka na tingami lokola sonjo. Na place wana okolo bani papa na. Ok, merci. Moi, je pense que tant que nous avons attiqué la moutou, Makamba, Yakosa, la choix. D'abord, Dieu, c'est un Dieu créateur. Donc, quand il a créé, il a tout prévu. Donc, quand il a créé l'homme, il sait que non, il faut une femme. Ce n'est pas Adam qui a demandé à Dieu de donner la femme. Donc, c'est lui-même Dieu qui a vu que Adam, à lui seul, ne suffit pas. Il lui faut une femme. Donc, moi je pense que il y a une part de responsabilité. C'est du 50-50. C'est-à-dire quoi? Vous consultez Dieu. Et puis vous aussi, vous avez la part de responsabilité à faire en tant que l'homme ou en tant que fille. Moi je pense qu'à ce niveau-là, nous devons toujours rentrer à celui qui nous a créé. Ningi papa mi sa lobi, a lobi to zonga na moto asala biso. To zonga na créateur, c'est ça non? To zonga na créateur parce que zo sa la passe makasi et après tant au boneli, Dieu a dit c'est pas lui, au bani olela. Oh non Seigneur, tu m'as trompé. Seigneur, tu vois on a fait 10 ans. Si qu'on a reçu kandenge nini to koma ko koma même ko konane nzambe. Seigneur, il fallait pas otinda ngai to kutana ye, il fallait pas. Vous voyez? Donc ça vraiment ba question to se poser na ba relation na biso, to se tâtonner na ba relation na biso. Sans pour t'attarder to ken aspect mi balé, l'homme de ta vie n'est pas forcément celui qui te donne assez d'argent, car il pourrait s'en servir pour te contrôler. L'homme de ta vie n'est pas forcément celui qui te donne assez d'argent, car il pourrait s'en servir pour te contrôler. Ndenge balobia, moba la vie na yo. Ezaka te o apesa yo mbongo lobi. Asunginga makasi, je suis orpheline. Nazara ba parenté, je n'ai personne. Maintenant, l'homme en question, il m'a aidé. Hein? Il m'a aidé à soutenir l'élan à 6 universités. Et maintenant, toi, le pasteur, tu me dis, ce n'est pas lui. Au moins, si tu as une question, tu poses à Rayangwana. Au commis, oh, il m'a déçu. N'est-ce pas au Lobaki, tant la lana qui est au Liboso, Lobaki, vous avez dit, oh, les signes. Tu sais, il y a un signe. Nzamba la Xabiso. Mobali, il y a un signe. Donc, il va faire de l'éternel et de l'Isse, hein? Il te donnera ce que ton cœur désire. C'est ça, non? Il y a un monde qui est le cas, il y a un jeune. Tant que vous avez une relation, vous allez soutenir. Donc, tu te vois que c'est lui l'homme de ta vie. Or, ce n'est pas lui l'homme de ta vie. N'a pas soin d'un papa ou le banine. Bon, en fait, je veux d'abord commencer par un point important, le choix. Le choix, en fait, la responsabilité aussi, comme je l'ai dit, l'homme aussi a sa part de responsabilité. Alors, nous avons trois choix à faire dans la vie. Le premier choix à faire, c'est le métier ou le travail. Moussala ou ban kosala na vie na yo. Deuxième choix, ou kosala, place faut fanda. Tant que ngai na fanda na na ville entelle. En tout cas, on a Kinshasa, on a Poto, tel village. Mais parmi les derniers choix, qui est le troisième choix, le choix, c'est-à-dire le partenaire, la femme de ta vie ou l'homme de ta vie. Alors, parmi les trois ici, le vrai problème, c'est le choix, le partenaire de votre vie. Alors, j'ai dit ici les signes. Nous avons ici, je peux aborder, nous avons 31 signes. Oyo et Kolakisayo, réellement vous êtes convaincus. Réellement, vraiment, c'est lui ou bien c'est celle. Mais ici, je vais mettre ça en bloc. En 5, je vais emballer les 31 dans un 5 groupes où vous pouvez facilement les trouver. 1. Votre partenaire. Quand je parle d'abord de l'homme, c'est un homme vertueux ou une femme vertueuse. Quand je parle d'un homme vertueux,
ou une femme vertueuse, c'est une femme qui craint Dieu. Vous avez remarqué, une femme qui craint Dieu, c'est une femme qui dit la vérité. Les gens, vous allez remarquer, en face de vous, vous avez une fille ou un garçon, elle vous dit la vérité. Tu dois déjà savoir, ça c'est un élément très important. C'est un garçon qui ne vous trompe pas. Parce que lui, elle, d'abord, ce monsieur-là craint Dieu, ou est cette fille-là craint Dieu. Donc, vous êtes en face de quelqu'un qui vous dit la vérité. C'est un élément là, très important. Deuxième signe, ou groupe de signes, je peux encore emballer, qui est la soumission. La soumission. La soumission, c'est un élément. Nous demandons à la femme d'être soumise. L'homme aussi peut se soumettre aussi à sa femme. Et vice versa. Donc ici, vous allez remarquer, une femme soumise, elle n'est pas impolie. Elle n'est pas insolente. Elle n'est pas hypocrite. Donc, ces éléments-là, vous êtes en train de chercher votre femme de votre vie. Donc, ces éléments-là que vous allez chercher, déjà, ça vous dit que non, oh, je suis en face de tel monsieur ou de telle dame. Trois, je parle d'un partenaire. La femme ou l'homme que tu dois choisir, elle doit être ou il doit être votre partenaire. Quand je parle d'un partenaire là-bas, il y a trois mots là-bas. Il y a l'amour, il y a l'estime, et puis la complicité. C'est-à-dire quoi? Quand je parle d'amour, la femme de votre vie ou l'homme de votre vie, vous allez remarquer l'amour en elle. Il y a ce qu'on appelle l'attraction, l'attirant, elle vous attire. Deuxièmement, de l'estime. Donc, votre partenaire vous respecte. C'est un élément très important, le respect. Lorsque vous êtes dans une relation, et que vous ne voyez pas qu'il n'y a pas le respect, quittez cette relation, parce que ça fera mal. La complicité. C'est votre partenaire. Elle est complice, ou il est complice avec vous de tout ce que vous faites. Elle vous accompagne de tout ce que vous faites. Il est avec vous. Si le monsieur, c'est un entrepreneur, il vous accompagne. C'est un chauffeur. Il vous accompagne de loin ou de près. Quatre, je peux appeler encore ce qu'on appelait la mère de famille. Ou le père de la famille. La mère de la famille, la femme, c'est celui qui a un cœur. Vous avez remarqué, chez la femme, un cœur. La mère, c'est celle qui est propre. La propriétaire de la maison. C'est elle qui se soucie de sa maison. Même le papa n'a pas donné l'argent. Mais elle doit se tracasser de savoir qu'est-ce que je vais préparer. Ça peut arriver que le papa n'a pas encore les moyens ou que le travail n'est plus. La femme doit être là en train de soutenir la maison. La mère de la famille, c'est celle qui se soucie des autres. Elle ne fait pas la différence. Que oh, moi, on a un tel, oh, mon tel, oh, mon païaïe, oh, à colia, t'es à colia. Donc, l'injustice, c'est la maman. Le père de la famille, le père de la famille a un cœur de supporter. Elle supporte sa femme, elle supporte ses enfants, ses amis. Elle prend soin de sa maison. Donc, en quelques lignes, tous ces signes-là, vous verrez que vous allez remarquer vraiment ces éléments-là dans les temps de fiançailles. Vous allez remarquer ces éléments. Donc, ce sont ces éléments que vous devez remarquer. Donc, je peux ajouter encore, c'est une femme ou c'est l'homme qui se soucie de vous. C'est-à-dire quoi? Quand vous êtes malade, elle aussi est malade. Quand vous êtes joyeux ou joyeuse, c'est de l'automatisme. Ce n'est pas dans un couple, elle est malade, toi tu t'en fous. Elle est joyeuse, toi... Allons, donc, tous ces éléments ici peuvent vous aider à détecter réellement c'est réellement l'homme de votre vie. Quand je dis rentrer à Dieu, Dieu parle. C'est Dieu qui nous a créé. Si nous nous parlons, ouais. Dieu parle. Ouais, ouais.
Dieu, c'est un partenaire, c'est un partenaire, c'est notre Père. Nous sommes devenus amis avec lui. Donc, quand je dis, moi je cherche quelqu'un, je cherche mon partenaire, je viens à Dieu. Dieu, cherche-moi la femme. Montrez-moi la femme de ma vie. Dieu va vous montrer. Il suffit que vous soyez en très bonne relation avec lui. Il va vous orienter. Il va vous orienter de loin ou de près. Vous pouvez la demander par la prière, par des actions de grâce. Tout ce que vous faites, ça va remarquer Dieu et Dieu va vous orienter. Et puis Dieu, c'est d'abord, nous sommes enfants de Dieu, nous, que ce soit l'homme ou la femme. En dehors de ça, nous sommes aussi des bokilo. Dieu, c'est notre bokilo. C'est-à-dire quoi? L'inceste est permis pour les enfants de Dieu. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire quoi? Dieu voudrait que, étant que chrétien que nous sommes, que tu puisses te marier dans la famille chrétienne. Tu ne peux pas te marier avec un païen, une païenne, bien païen. Donc, il faudrait que vous soyez dans la même famille. Donc, Dieu ne te donnera pas un autre femme. C'est dans la famille chrétienne que vous devez vous marier. Donc, Dieu devient de votre boucle. Allez-y, comprendre. Tu es fils de Dieu, tu deviens boucle de Dieu. Waouh, tout ça vraiment recevait là vraiment du boum et du tonnerre ici hein. En tout cas dans ce monde, merci beaucoup vraiment parce que bilo comme sous ces autres comme la biso tout ça est bangoté au revoir la relation tu ne demandes même pas de à ta signe parce que au pingre on va signer ouais Seigneur montre-moi le signe. Nzambe, s'il te plaît, je veux des signes pour mon homme, je veux des signes pour moi. Ce qu'on a là qui sur ce pas lui qui te convient, ou c'est pas elle qui te convient. Mais toi, tu dis, tu es en train d'imposer la volonté de Dieu. Tu dis seulement, non, fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. En tout cas, vraiment, si j'ai osé ça tellement vaste, comment reconnaître la femme de ta vie, comment reconnaître l'homme de ta vie. En tout cas, ça, si j'ai mon trop vaste. Et ça vraiment trop vaste parce que ça forêt tout au bungana makasi sans pourtant tarder to kiti na troisième aspect na biso l'homme de ta vie tu les reconnaîtras à travers ses actes. Si tu es patiente ou patient, tu lui reconnaîtras par sa façon de te parler, par le respect qu'il t'inclure dans ses phrases sans se rendre compte. L'homme de ta vie. Son rappel, ça va respecter. Il n'est pas l'homme de ta vie. Si tu ne te respectes pas devant ses amis, devant sa famille, il ne t'aime pas. En tant que Mkolo, il faut remarquer, mais non, mon homme ne m'aime pas, ce n'est pas lui. Soit ton fiancé ou bien ton compère, de ton personne, moi, ma papa, tu es un proposant. Avant de dire, bonjour. Azo ki peut te ba ki a ke webi ko boxa bazo seka oh mais papa naza awa oh nini ko o ma tena so na ba comment ça fait ça frustre et frustre amité ma surtout nous les femmes hein o ko ça peut crise hein c'est pas bien o ko ye ba ke non c'est homme même pas il n'est pas l'homme de ma vie il te respecte pas oh le respect mutuel le respect est réciproque tant yo zo respecter nga ben on respecter yo et cela a vraiment quitté côté au monde à mon balai donc à zané kunate à revanne sawana 3 heures d'état 4 heures d'état il est toujours là avec ses amis yoko toi tu mupandi il te voit même pas donc à zakutu kunate donc et ça bah aspect oyo tokoye baki oyo à zan mon balai nangate oyo à zan moi si à vie nangate donc le respect mutuel le respect tellement réciproque. L'homme de ta vie il est patient. L'homme de ta vie, il est patient. Il te supporte avec tes défauts, avec tes caractères. Là, il est là, il est toujours près de toi. Il est là pour te soutenir. Azawana, oye olinga maman Yvonne, na lingio. Mes défauts na nga oso linga monte. Mais na quoi sert? À quoi sert? Tu n'es pas patient avec moi. Après le belanga, na kyo olinga tu vois donc ton caractère. Ni les parfaits. Tout ça imparfait, nous avons nos défauts, nous avons des caractères. Donc, il faut supporter Moutou. Place où on a papa, et que ça a voulu yéke. C'est vraiment un problème dans la relation. Et ça atteint son objectif parce qu'il y a manque de patience.
patience est atteinte. On croit qu'on supporte mon ingaté. Avec son défaut là, moi je cherche la femme idéale, la femme parfaite, l'homme parfait. Oh l'homme parfait, ça qu'en zambé. L'homme parfait, c'est seulement Dieu. L'homme parfait, ça l'a raté. Il n'y a pas une femme parfaite. Bison atal ba couple les serviteurs de Dieu ba ça peut avoir incapacité na bango au moni pe un serviteur de Dieu mais na butu ba sona kina mosi na e ba sona kina mosi ni le parfait mais yo to luka muta parfait zate est-ce que on se rassurer que moi suis parfait il faut dans moi soit parfaite est-ce que oza bongo na place wana papa meka un peu koloba lisusu parce que patience zate autant de comportement moi c'est aussi cocaté na qui na ngaka libana na cocaté patience mais quand un peu colobé la biso on met quand un peu copé ça biso remède parce que ça la passe na ba relation na biso par rapport à ça en fait dengo de colobango c'est celle de Dieu qui est juste donc tu peux trouver l'homme de ta vie mais il n'est pas toujours juste ou la femme de votre vie. Donc, elle a sa faiblesse. Il y a des manquements en elle. Mais comme nous avons dit, la Bible nous dit, l'amour est passé. Donc, quand vous lisez dans les dictionnaires, vous allez lire la définition de l'amour. Dans l'amour, il y a des éléments clés. Il faut qu'il y ait le respect. Il faut qu'il y ait l'engagement. L'engagement, c'est quoi? L'engagement, c'est comme l'encre. Vous savez l'encre? L'encre, c'est juste l'instrument là, lorsque les bateaux vont accroster, qu'on jette dans l'eau pour aller saisir le sous-sol. C'est pour permettre les bateaux de se maintenir sur place. Donc, c'est que dans votre foyer, il y aura les hauts et les bas. Mais quand il y a déjà l'engagement, c'est-à-dire que vous voyez les bateaux peuvent être là. Il peut faire des mouvements par-ci, par-là. Il ne va pas aller loin. Il est toujours attaché. Donc, ça signifie que dans le mariage, vous verrez qu'il y aurait des problèmes. Mais tel que vous avez engagé, tu peux trouver ton mari ou votre fiancé avec une autre fille ou un autre garçon. Vous allez vous asseoir pour arranger la situation. Tu ne vas pas abandonner. Quand on aime, on n'abandonne pas. Donc, quand on aime, on abandonne. C'est réellement tu y as aimé. Donc, vous ne pouvez pas abandonner. Donc, à mon avis, il y a un élément que j'ai cité parmi ces cinq blocs que j'ai cités dessus. Il y a ce qu'on appelle femme de valeur ou l'homme de valeur. L'homme de valeur, c'est quelqu'un qui a des valeurs, des qualités. Femme de valeur, c'est une femme battante. Quand Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Aide là-bas, c'est un mot à quatre lettres. Il y a là-bas A, qui signifie la femme doit être apte. I là-bas, la femme doit être intègre, l'intégrité. D, la femme doit être débrouillard. E signifie l'excellence. Donc, ces valeurs-là, vous devez vérifier ça. Dans votre homme ou dans votre femme. Parce qu'en fait, une femme qui est battante, une femme qui se débrouille, même si le travail, l'homme ne travaille plus, il ne va pas trop se lamenter. Il serait là peut-être de consoler son mari, que non, c'est un temps. Parce qu'elle a déjà pris l'engagement que jusqu'à la fin, jusqu'à la gare, on doit atterrir. Même s'il y aura des problèmes, la mort, il n'y a pas des enfants dans le couple. On a déjà pris l'engagement. Donc, tous ces éléments ici, quand vous les vérifiez, vous les trouverez, Dieu ne trompe pas. Aujourd'hui, les gens se plaignent de l'amour. Les gens se plaignent de l'amour. C'est parce que il y a des valeurs qu'on a perdues. Il y a les principes qu'on a perdus. Dieu a créé, il a tout créé. Quand il a créé l'homme, il a mis les principes. Quand vous ne respectez pas les principes, vous ne tapez pas à côté. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous avez un partenaire, vous trouvez votre fiancé. Vous commencez par faire les rapports sexuels. Mais vous avez tout dérangé. Quand vous aimez, vous cherchez un homme ou la femme. D'abord, un homme de votre vie ne va pas commencer à coucher avec toi. Donc cet homme-là est patient. Il sait que ça, c'est ma femme, je resterai avec elle. Les rapports sexuels, je les ferai tous les jours. Donc il ne va pas se précipiter pour faire les rapports avec toi.
Donc, c'est-à-dire, quand vous commencez par faire les rapports sexuels, il y a de l'automatisme. Qu'est-ce qui va se faire? Dieu quitte dans votre relation. Donc, Dieu vous abandonne parce que le mariage, c'est une institution divine. Les affaires, il y a des copines. Donc, il ne cajole pas avec ça. Vous êtes son enfant, vous êtes sauvé. Oui, on demeure enfant de Dieu. On ne fait pas ça. Mais papa, Dieu t'abandonne. Allez-y comprendre pour ça la relation. Nzamba za tena kope na bino. Donc, comme vous allez vous priver, vous honorez Dieu. Quand vous privez le sexe, vous honorez Dieu. Il y aura de l'automatisme. Dieu va vous honorer. Donc, et puis vous allez voir les mariages. Dieu mettra des moyens. Donc, si vous commencez par faire les rapports sexuels, ok, vous trouvez que c'est votre femme de votre vie. Parfois, ce n'est pas la femme de votre vie. Parce que rien qu'avec quand vous faites des rapports sexuels, vous êtes déjà unis. Dieu vous abandonne. Quand il vous abandonne, vous allez marcher seul. Vous allez rencontrer des problèmes. Allez-y comprendre. Erreur mobile à quoi ça dans la vie, c'est faire un mauvais choix à un partenaire. Parce que dans la vie, tout passe par la femme. Donc la femme, si tu veux réussir dans la vie, l'homme, faites un bon choix avec la femme. Tu vas échouer, fais tes mauvais choix. Tu vas les regretter. Si tu ne rentres pas à Dieu, même ta vie sera victime de tout ce que tu fais. Voilà un peu par rapport à ces points, ce que je pourrais dire par rapport à ça. En tout cas, merci, merci vraiment de tout cœur. Et ça n'est pas si macassé. Il y a un autre monde dans ma zone, ça l'a sauté. Nos relations, tu vois quelqu'un qui yendi, qui yendi. L'homme de ta vie est celui qui te supporte. Même avec tes défauts. Les rapports sexuels ne garantissent pas une relation. Les rapports sexuels n'est pas synonyme du mariage. Vous avez une étape où il y a fiancé, soit il y a copinage. Je m'en souviens quand j'étais à Mwanda, un pasteur de la borne me disait Abi, oh, yo, ok, pas mon bal. A bal, yo, non, t'es, a même pas un secret. Hein? Et, ok, au lambe lié, allié au lissous. Allez, on les soit après, na lia on fort, na tiki na ngai. Vous voyez, il y a un autre roman au bas. Oh, la vie déception, et si mité, zambé bando ka famille. Non, bando ka famille, t'es mon bal a goûté tellement trop. Abi, non, il faut que je change une autre fille. Vous voyez, ton mec a un peu, tout ça la dure, hein, à côté, on a son mon bal a lingui, dis-lui pas les sexes. Seulement jusqu'à la gare. Kounane, ligne de miel. Papa, ligne de miel au sombi nga. Hein? Et ça va pas na yo. Mais ton précipité, t'es pour garantir notre relation. Il faut qu'à les rapports. C'est pas vraiment du tout bien. Donc, mais quand même, peut changer. C'est tout nous qui sommes chrétiens. Parce que Dieu de France, c'est là. C'est pas bien dans la Bible. Nous avons interdit les rapports sexuels avant les mariages. Donc, nous avons un meilleur esprit. Nous avons un meilleur esprit. La chair est faible. Nous avons un meilleur esprit. Nous avons un meilleur esprit. Mais ce qu'on a raté, il faut laisser. Il faut laisser. Et surtout, tant que vous avez une période où on a, il faut qu'on évite à mine, qu'on ait ton partenaire. N'est-ce pas, hein? Vous êtes isolé, non? Ok, qu'on a là. Et bien, on peut aider ma vie, hein? C'est un pasteur de l'autre côté. Hey, pasteur dans Moutou. Pasteur à quoi il y a rappé les cobos. Frère, père à quoi il y a ka. Bible, nous qui sommes forts, supportons les faibles. Il faut tout supporter. Tant que mon partenaire n'a pas eu à ma cassité à quoi on supporte. Beaucoup dans la place, les publics, parce que vous êtes sur là, c'est tout. Viens à la maison, je ne viens pas. Je ne viens pas. En tout cas, papa, soit il est comme ça, ou bien ça soule le colo, pour l'internaute, ou bien il y a un remède, dans ma cambo, comment reconnaître l'homme de ta vie, ou bien comment reconnaître la femme de ta vie. D'abord, je vais ajouter par rapport au rapport sexuel. En fait, le premier cadeau que la femme peut offrir à son mari, c'est la virginité. Maintenant, vous avez donné ça à un mec là, à un monsieur là, on ne sait pas, un voyou, qui ne va même pas t'épouser. Vous donnez votre chasteté à une fille, ça fait très mal, très mal. Donc, quand vous perdez la virginité, ça fait très mal. Donc, moi, je pense que nous devons nous priver. C'est pourquoi l'amour, c'est pour les matières, les personnes matières. Donc, si tu veux une personne matière, c'est celui ou celle qui va supporter. Parce qu'en elle et en lui, il y a la maturité. Et vous avez déjà commencé à faire les rapports sexuels dans les fiançailles.
vous avez compris qu'on a commis une erreur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense que vous devez rentrer chez votre père qui vous a abandonné. Demandez papa pardon. Nous avons mal fait. Ok, c'est un papa. Oui. Il est amour. Bon. Il est patient. Donc, il va vous recevoir. Vous allez chercher un pasteur ou un serviteur de Dieu. Vous allez vous soumettre à ce pasteur. Vous dites la vérité, papa. En tout cas, voici ce que nous avons fait déjà. Mais nous avons compris que on risquera de rencontrer l'échec. Priez pour nous. Il va prier. Et puis, il va mettre des principes pour que vous puissiez vous marier dans la logique des choses. Donc, vous coupez les rapports sexuels. Comme le passé va plus, vous coupez les rapports sexuels, vous n'allez plus les reprendre. Et puis, c'est pourquoi même dans la Bible, la fiançaille ne doit pas avoir un long moment. C'est juste une promesse. Non, c'est aussi un temps où vous allez vous voir sérieusement. Si vous vous privez des rapports sexuels, s'il n'est pas le partenaire de votre vie, ce monsieur-là va quitter cette fille-là. Parce qu'il a supporté, parfois il y a eu pour la beauté, il y a eu pour un rapport sexuel. Ce que ça, moi, si j'ai vu, il y a eu un dire un rapport sexuel. Abandonner, yo. Automatiquement, il y a eu un bino. Mais moi, si j'ai vu, il y a eu un bala vina. Mais il va supporter. C'est que nous avons eu un il y a l'engagement. Voilà un peu ce que je peux ajouter encore là-bas. Ok, nous sommes presque à la fin de l'émission d'Abisso. Il y a encore tout le monde qui a le bel habit, non, Abisso, toujours envisager. Toi, bah, moi, la vie, naïo. Oye, bah, moi, c'est la vie, naïo. En tout cas, tout ça, là, très attention. Les rapports sexuels ne garantissent pas. Les rapports sexuels ne garantissent pas. Mobal o alingi yo, o ya respectara yo, o alingara yo, abetelara yo tolo, o alobara kombo na yo, même l'absence na yo, il va supporter. Oui, sa papa, non, je serai pour toute la vie, hein. Toro zanabi sonda kumoko. Ne t'en fais pas, t'inquiète. Toro zanabi sonda yo, ko bangate. Biso, to kan sara rapport, yango nde ko simba relation. Soro pesi nzo to mobali, o garantir quoi. Donc, tout ça, la très attention, nous qui sommes et belé bazui bazemi balongoli bazemi mususu babalani na zemi c'est pas vraiment propre ozo le bela pasteur que papa nazan le côté ozo zemi papa nazan zemi te le côté mais oh bobalani na zemi vous voyez ozo tromper nzambe oh nzambe va ko saka été tu peux tromper l'être humain mais pas Dieu donc to me quand un peu ko changer les rapports sexuels les a vraiment garanti te na libala bobalo alingi yo a ko s'abstenir il va te supporter ti bogoma jusqu'à la gare en tout cas émission oyo et yé li sous ko fortifier biso. Et le souci comme même habitué nous vont vendre la relation habitué tout en maillé les bicycles tout en nos cocottes là où nous manquons la sagesse là où nous manquons l'intelligence comment marcher dans nos relations en tout cas émission oyé pour soutenir habitué le souci tout en bandengeni nos relations et aboutir jusqu'à la gare en tout cas comment connaître l'homme de ta vie comment connaître y a un autre lobby les rapports sexuels ne garantissent pas l'amour. Les rapports sexuels, ce n'est pas le fondement d'une relation. Les rapports sexuels, il y a un côté qui est en train de se faire. Biso, ma maman me disait, quand elle était fiancée, elle n'avait pas papa. Ce papa qui est Moussala, qui est là, qui est à moi aussi, a niki bilamba, lambi. À moi, papa, ils sont à 15 ans, 14 ans, à Kimi. A tiki fongola. Mais biso, t'es là. Bisote de nos jours, na kena nga to sali nyonson na lambeli olinga lisusu et après na suka c'est pas toi donc mobala baye c'est pas vraiment bien yango zomona to sokuta na muto aza vierge mais ake soit entourage na ye tindi a sali makamobo ayoko zo malade azu sida une fille que je connais âge à 17 ans. Elle était vierge. Son entourage, baninga na balobi, mekanan, elle était vierge. Abano banga penzambe. Balobi, ayo pe ki yuma boeti wapi, disait tantôt garder ka virginité na yo. Et la fille, azay son achouate. Et a ke kolinga. Kolinga na ke kolinga. La fille, azui sida, azui zemi. Et maintenant, lobe na nga vu à moi na nesuki wapi. Et comme nous nande, il 17 ans. Na fleur d'ajuana, azui sida, azui. Azu sous zemi. Moi, je n'ai pas signé dans ce yoga. Parce que son entourage, on n'est pas influencé. À ça, du n'importe quoi. Vous voyez, ce n'est pas les rapports sexuels
Les rapports sexuels ne garantissent pas. Les rapports sexuels ne garantissent pas une relation. Papa, comme vous appelez du domaine, vous avez expliqué les sous le domaine médical, la conséquence de ça, les rapports sexuels avant le mariage. Ok, merci beaucoup. C'est vrai, comme je l'ai dit, les rapports sexuels avant le mariage, c'est un blocage sur le plan spirituel, sur le plan physique. Je pense que quand vous commencez à faire les rapports sexuels, vous avez des risques. Vous courez d'énormes risques. Parce que le partenaire là peut être parfois un maladif. Quelqu'un qui a le sida. Donc, nous savons que avant, dans la logique des choses, avant qu'il y ait mariage, on doit demander des examens. Mais nous regrettons qu'il y a plusieurs églises aujourd'hui. Il ne demande pas ça. De ça, soit on peut demander ça, mais ça passe autrement. Donc ce sont ces examens qui sont très importants. Parfois, à partir de ces examens, Dieu refuse cette relation. On dit que déjà, c'est déjà un problème ici. Donc, le pasteur, s'il est courageux, il peut vous dire déjà la vérité. Si vous trouvez que vous pouvez vous engager, vous allez supporter que oui, mon partenaire a le VIH. Donc, je pense qu'à mon avis, malgré que je l'aime, je peux me séparer. Ou encore, je l'aime toujours, moi je vais l'épouser, je vais la poser comme ça. Ok, ça va. Vous allez vous assumer par rapport aux conséquences, parce que vous êtes déjà informé. Alors, quand vous faites les rapports sexuels, vraiment, vous courez devant d'énormes risques. Donc, Dieu est juste. Dieu a mis des principes. Ce sont ces principes-là. C'est pourquoi aujourd'hui, tout le monde se plaint de l'amour, hein. Tout le monde se trouve, se plaint de déceptions. Et bien, il y a des fondements qu'on a abandonnés. Dieu est juste, il a mis tout en ordre. Si tu veux suivre ça, automatiquement, il peut se mêler. Dieu lui-même, Dieu est amour. Comment quelqu'un qui est amour va vous rendre encore compliqué? Les gens se plaignent aujourd'hui. Oh, l'amour, l'amour, ça passe. C'est vous qui êtes difficile, pas l'amour. Moi, je pense que c'est tout ce que je peux encore ajouter par rapport à ça. Ok, nous sommes arrivés à la téléphase de cette tranche. Je dis big merci à nos ingénieurs qui nous ont aidés. Bon, mon ami Lilio, quoi. Et bien, ma bien. Bote Nabino, merci à trop. Namoni, ingénieur Promesse, merci. Ingénieur Rabi, merci à trop. Ingénieur Tenace, Bambote Nabino, ingénieur Jonathan, baza tellement ébélé. Bambote Nabino, bisika bozoami, en tout cas, na lingi mino mingi. Sans pourtant oublier ma famille, je salue ma famille, la famille Sangila. Je salue la famille Tuete, je salue la famille Masumba. Je salue maman Mimi depuis quartier l'ITP. Moi ça papa Romain. Ya yo ya ngwana mbote na yo ya trop. La pespe mbote na bino no so bolandi biso. Bino no so bazo soutenir biso. En tout cas, je vous invite de s'abonner massivement à notre chaîne JBS Prod TV. En tout cas, vous allez tellement pas déçu, vous allez décider. Émission OE, on peut savoir sous Mayele, comment vivre dans nos relations, tout atteindre l'objectif Nabiso. Nabo Santé, Messeji Maleba, depuis les États-Unis, Yayo Yangwana, Bambo Teatro, on peut aligner à Beta DV Loterie, on ne manque pas de venir, de nous contacter. Oye, au Beta DV Loterie, Yabiso. Il y a des choses qui sont tout ça, face à la régie des eaux, il y a des développeries. Ceux qui posent la pause, ça, tout ça, le marketing, la promotion, il y a des en tout cas, contactez Bisso. Juste un numéro, il y a des choses dans la bande de l'écran. Vous contactez Bisso. Pour le mois de mars, le mois de la femme, tous les ans, activité est belle. Pour la où est allée ma maman, où est allée biso ma jeune, biso tous les femmes vertueuses quoi. Moi c'est Abouana, moi c'est Mayele, Tokutana, Tobengana, ce que vous en avez pour les cas, au contacter biso. En tout cas, et vous allez vraiment très kitoko, bambo théâtre dans lingi mino mingi. Vraiment la rose à l'égoïste c'était quoi? N'a pas si parole n'a pas papa n'a biso sur rose en bas tout repose à bambo théâtre. Ok, merci beaucoup. Merci. Moi je suis jeune de la CAC et je profite aussi de saluer tous les jeunes, tous les papas et les mamans de notre chère communauté, la CAC, de la 18e communauté.
Et je salue ma famille, la famille Tiyuma, partout ils sont. Je salue mon ami Papi Kolongo à Kinshasa, et Marquis Mabanga, et les restes qui me connaissent. Et mon numéro, plus 243, 89, 550, 70, 85. Je répète, plus 243, 89, 550, 70, 85. Nous avons nos pages, page Facebook, les comptes. Vous allez vérifier, j'écris ma Tiengoma officielle. Une autre page, c'est Conseiller en amour MN. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Ok, merci à vous. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement. Suite, hein, bonjour, on a pas mis que les olia. Il y a Nini, il y a Sijen, il y a Pro Kalilo. Comment reconnaître la femme de ta vie ou vice versa, comment reconnaître l'homme de ta vie. En tout cas, suite, na bino bozoango prochainement. Je vous aime tellement, trop de love pour vous. Et bonne fête de maman, hein? Bonne fête d'abord maman Nyonso, les femmes vertueuses sont le modèle pour les autres. Je vous aime tellement, ma fête, fête bien, 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 bye.